Isabelle? Oui, le Front de Gauche. Tu peux me dire deux mots sur le Front de Gauche? Pour moi, ce n'est pas uniquement le rassemblement. Ce n'est pas un cartel de rassemblement, de cartel de formation politique. Ce Front de Gauche doit devenir le front du peuple de gauche pour recréer un espoir en Europe, dans notre pays, un espoir de changement à gauche. D'accord. Il y a autant des partis politiques que des syndicats, que des individualités. Alors il y a des formations politiques, mais il y a aussi des citoyens, des militants de sensibilité politique, voilà, dont leur formation politique n'a pas fait le choix de présenter de candidats ou pas fait le choix d'être dans l'unité de ce rassemblement, de ce front, qui soutiennent et qui participent à la campagne du Front de Gauche. Et en Côte d'Or, on a des citoyens impliqués soit dans le syndicalisme, soit dans la culture, oui, dans l'associatif, dans la solidarité, oui, qui participent à ce Front de Gauche. D'accord. En fait, ça fait une union... Une union populaire, voilà, pour changer. D'accord. Merci beaucoup. La gauche, y compris là, récemment, il y a une directive qui a été votée, c'est une alliance européenne-États-Unis qui vise en gros à réguler les marchés. Bon, à la limite, ça ne veut pas dire grand-chose. À nous mettre sur la coupe militaire américaine. Ça, c'est une décision européenne et ça a été voté par les socialistes, par les Verts, par le MoDem et par l'UMP. Pas par tout le monde, pas par le groupe GUE qu'on représente. Voilà. Donc il y a bien deux gauches. Le principal, c'est d'aller voter.